Ah, il va y avoir du matériel qui va arriver. Maintenant, la dernière présentation, Monsieur Eugenio Rossi, son cas catastrophe, s'il vous plaît. Bien, ben, je vous remercie pas de votre invitation, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de présenter un cas catastrophe. Mais là, je me suis dit, puisque c'était à Bordeaux, j'allais impliquer mon ami que j'ai appelé pour ce cas catastrophe, ici présent, co-organisateur de ce congrès. Donc, je vais vous parler d'une observation d'une femme de 79 ans qui se présente à la consultation, donc sans urgence, pour un anévrisme aortique cœliaque de la région cœliaque, donc un thoraco-abdominal de 60 mm. Avec des vagues douleurs abdominales, mais qui ne font pas vraiment leur preuve, et des antécédents assez chargés, bon, hypertension, dyslipidémie, un excès pondéral, un pacemaker, une embolie pulmonaire, une éventration post-péritonite appendiculaire assez ancienne, une gammapathie monoclonale en cours d'exploration, et une notion quand même d'évolutivité de cet anévrisme qui était mesurée à 45 mm, donc il a pris 15 mm en à peu près 2 ans. Alors voici le scanner préopératoire. Je vais avancer un petit peu parce que voilà, c'est surtout le, bon, je vous passe l'aorte thoracique descendante qui est assez propre. C'est pas, il n'y a pas de lésion emboligène, il n'y a pas de piège à ce niveau. L'anévrisme démarre un petit peu au niveau de la traversée diaphragmatique. Il y a un tronc cœliaque qui est correct, légèrement sténosé, il n'y a pas de ligament arqué, pas majeur en tout cas. Et puis les artères viscérales ont la particularité, donc en mésentérique supérieure, elle est un petit peu latéralisée à droite. La rénale droite est assez simple, la rénale gauche par contre naît au niveau d'une plicature. Si bien qu'en mode reconstruction, on a cette plicature assez importante en regard des artères rénales, qui rend un traitement endovasculaire un petit peu plus complexe que ce qu'on aurait pu espérer. Effectivement, on n'a pas voulu envisager chez elle une chirurgie conventionnelle, compte tenu de ses comorbidités, compte tenu de son terrain, et on s'oriente vers un traitement endovasculaire. Je m'étais dit qu'une fenêtrée ou une fenêtrée branchée devrait faire l'affaire. J'envoie les images à un fabricant d'endoprothèses qui me répond que compte tenu de l'angulation et de la bifurcation très rapide de l'artère rénale gauche que l'on voit ici, eh bien, c'est pas un bon cas. Effectivement, ce ne sera pas un bon cas, mais j'appelle quand même un ami, donc ici présent, qui me dit on va faire du off-label. C'est le but hein, de ce congrès, c'est de parler des choses un petit peu particulières. Et donc, il me propose de réaliser une technique sandwich avec deux cheminées sur les artères viscérales, que je vous ai représentées ici en rouge, et deux fenestrations homemade en regard des artères rénales. Donc on part là-dessus, on programme cette chirurgie qui se déroule, ma foi, très bien jusqu'à la tentative de cathétérisme de la fenêtre rénale gauche homemade qui s'avère impossible compte tenu du fait qu'on est dans cette angulation et compte tenu du fait que l'endoprothèse homemade que l'on a fabriquée sur table, donc, et malgré la présence des reducing ties, ne se déploie pas correctement en regard des artères rénales. Donc, on a... zut, c'est pas là qu'il faut appuyer, pardon. On a donc une difficulté majeure à cathétériser cette rénale gauche, qui circule bien quand même au contrôle artériographique. Je n'ai malheureusement pas les clichés, parce que comme Michel, j'avais pas le matériel adéquat de scopie, et donc j'ai même pas les images enregistrées actuellement en mémoire. Mais par contre, donc, cette artère rénale circulait bien, la procédure avait assez duré, mon ami avait un avion à prendre, et il m'a donc laissé avec cette patiente artère rénale gauche non cathétérisée, et on s'est dit, fort raisonnablement, qu'il fallait la reprendre ultérieurement pour compléter la procédure. Dans la nuit qui a suivi, pardon, décidément,
Alors, dans la nuit qui a suivi, la patiente présente des douleurs abdominales. Elle est en réanimation pour surveillance, une acidose, des lactates. La diurèse est tout de même conservée, c'est quand même la bonne nouvelle. On réalise un scanner de contrôle immédiat qui montre une cheminée mésentérique supérieure occluse, complètement pincée à son origine, une cheminée sur le tronc cœlia qui est tout à fait correcte, et bien sûr un défaut de perfusion au niveau des rénales, mais qui n'est pas majeur. Vous avez ici une endofuite majeure, mais ça passe à travers l'artère rénale gauche. Je vais relancer le scanner. Voilà ici la cheminée mésentérique supérieure complètement écrasée, celle du tronc cœlia qui est belle. Par contre, pour une raison assez inexpliquée, parce que techniquement on n'avait pas eu de soucis et le contrôle PROP était bon, mais on a une cheminée mésentérique supérieure complètement écrasée et une fuite majeure, bien sûr, par cet orifice rénal gauche qui est en fait complètement postérieur en raison de, l'angulation. Il y avait eu une malrotation complète de ce module préfabriqué. Conduite à tenir, donc en urgence, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Je ne vois pas trop de solutions endovasculaires, ce d'autant plus que la veille, on avait pris pas mal de rayons, la patiente et les opérateurs, et la patiente avait pris pas mal de produits de contraste. Donc on fait une revascularisation hybride. En urgence, à partir de l'axe ilia gauche, revascularisation artère mésentérique supérieure, et je décide de débrancher le rein gauche aussi, de le lier en proximalité, en me disant que je m'occuperai de la fenêtre après. Ça laissera une endofuite, mais au moins la patiente est revascularisée sur ces deux artères qui sont déficientes dès le lendemain d'intervention. Pas de souffrance digestive majeure, donc pas de résection. Le contrôle scanographique après, en vue de pouvoir évaluer la perméabilité des pontages et la faisabilité d'un éventuel traitement endovasculaire, me montre bien une fenêtre ici complètement écrasée, la fenêtre rénale gauche complètement écrasée, d'où l'impossibilité à cathétériser. Et donc, je me retrouve avec cette fenêtre et je me demande bien comment je vais pouvoir l'obturer. La solution pour laquelle on a opté, cette fois-ci sans amis, c'est de mettre en place un plug en platzer au niveau de l'ostium. Ce plug en platzer est un modèle un petit peu particulier. C'est un plug qui est utilisé pour les fermetures de CIA. Donc on est off-label là aussi, mais le contrôle artériographique post-opératoire est satisfaisant. La patiente est un petit peu fatiguée de tout ça, mais elle va bien, elle n'a pas de défaillance viscérale particulière. Elle fait quelques jours en réanimation, puis gagne le service d'hospitalisation. Le contrôle post-opératoire, post-mise en place de ce plug, montre la persistance d'une petite fuite, alors qui est étiquetée par les radiologues comme une endofuite de type 2. Là, vous la voyez ici. Mais quand même, elle communique, elle va quand même se rapprocher sérieusement de cette fenêtre rénale gauche qui est complètement écrasée ici. J'ai un petit doute quant à une combinaison endofuite de type 1, endofuite de type 2. Le doute, on peut l'avoir sérieusement, effectivement. Mais compte tenu de l'âge et de la fragilité de la patiente, je temporise un petit peu. Je lui dis qu'on refera un scanner dans 3 mois et qu'elle aille en convalescence. Ce scanner, ça c'est la reconstruction avec les pontages bien perméables, le débranching. Ce scanner, finalement, est réalisé au bout d'un an parce que la patiente a été un petit peu fatiguée, un petit peu réticente. Et elle revient me voir en consultation avec non seulement la persistance de cette endofuite, mais une aggravation majeure de l'endofuite, qui cette fois-ci, je n'ai plus aucun doute, vient bien à partir de cette fenêtre rénale gauche qui reste toujours problématique. Et l'anévrisme, lui, a pris 1 cm en un an. Donc, il faut trouver une solution. Là, je me dis que le geste endovasculaire trop technique me semble un petit peu contre-indiqué. Et je lui ai donc proposé de compléter le traitement endovasculaire par une endoprothèse qui vient couvrir la totalité de la lésion en laissant perméable donc, la cheminée sur le tronc cœliaque. Donc je couvre l'artère rénale droite qu'on avait réussi à cathétériser et je réalise un pontage hépato-rénal droit pour débrancher, pour compléter en quelque sorte le débranching chez cette patiente. Ça, c'était le préopératoire avec la fuite majeure que l'on voit maintenant dans le sac anévrismal.
Et l'on voit ici enfin le fouillis endovasculaire, mais cette fois-ci on a un petit peu un matériel un petit peu meilleur, on arrive à mieux s'y retrouver dans tous ces repères. On voit ici les cheminées, une écrasée, là on sait, pour dire qu'elle est écrasée, il faut vraiment être un spécialiste. Et la deuxième cheminée, elle est toujours bien perméable. On ne l'a pas couverte avec le module complémentaire que l'on a mis en place. On a couvert cette artère rénale droite et voici la perméabilité du tronc cœliac, toujours vérifiée en artériographie. Et le contrôle scanographique montre que le pontage hépato-rénal est tout à fait fonctionnel. Le débranching mésentérique supérieur et rénal gauche se maintient. Et l'on a donc un résultat satisfaisant. Bon, moyennant 4 interventions, dont 2 endovasculaires pures, mais un résultat satisfaisant. L'absence totale d'endofuite chez cette patiente qui va bien, j'ai vérifié également, qui va bien. On est maintenant à 6 mois de sa dernière chirurgie. Et elle n'a pas d'insuffisance rénale ni de comorbidité majeure. Voilà, donc ça c'était le cas catastrophe, un petit peu à épisode chez cette patiente lourde pour laquelle on ne voulait pas envisager de chirurgie ouverte, de chirurgie conventionnelle. C'est sûr que cela aurait réglé le problème, mais finalement je trouve qu'on s'en sort pas trop mal en combinant l'endovasculaire et le débranching. Vous savez qu'à Clermont-Ferrand on aimait beaucoup les débranchings à une époque, on a un petit peu arrêté, mais les débranchings partiels ça a quand même encore un petit peu de bon. Voilà, je vous remercie de votre attention. Tu avais, je pense, prévu les difficultés de cathétérisme de cette rénale gauche. Est-ce qu'a posteriori, tu ferais différemment ? Alors, on avait discuté un périscope rénal gauche et une HOMMED rénal droite. Alors, c'est vrai que quand on a une seule fenêtrée HOMMED, c'est relativement simple. On arrive bien à visionner les choses. Avec l'expérience, qui n'est pas énorme, hein, mais des HOMMED multiples, c'est toujours plus difficile. Donc Eric a certainement plus d'expérience que moi là-dessus, mais a posteriori je serais peut-être revenu sur le périscope à rénale gauche parce que la rénale gauche c'était faisable, mais la longueur du tronc de la rénale était très courte, c'est ce qui nous a fait opter pour la double HOMMED. Ouais. Et en fait il y a deux enseignements là-dedans. Je pense que la thrombose de la cheminée, on a refait l'histoire, mais probablement que le renforcement n'est pas optimal jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des écrasements, des kings, c'est qu'on n'est pas suffisamment renforcé, et que ça c'est hyper important, et surtout c'est que c'était pas un bon choix de prothèse pour la HOMMED, puisqu'il faut vraiment, malgré le reducing ties, il faut vraiment être tenu en haut, en bas et en bas, ce qui n'était pas le cas avec cette prothèse-là, pour pouvoir bien la tourner, bien l'ouvrir et faire de la rotation. Et si on a une prothèse qui est trop souple finalement, la rigidité là pour la bonne orientation et pouvoir travailler dessus quand on est en train de cathétériser, c'est un avantage, la rigidité versus le côté trop souple. On était trop souple, pas maintenu en bas, puisqu'elle s'ouvre entièrement en bas. Mmh. Et donc on a beau essayer de tourner, de faire de la rotation de prothèse, parce que quand on arrive dans des angles comme ça, ça bouge et elle se tourne toujours. Et parfois, on a même sur des gros angles, des quatre fenêtres, des branchées qui tournent dans tous les sens, qu'on est obligé de tourner, il faut aller tout doucement. Et là, le fait que la prothèse ne soit pas tenue en bas fait qu'on a beau essayer de tourner, ben en fait, y a rien qui bouge, quoi. Et l'angle fait que ça la restreint et que c'est one shot. Alors si on n'a qu'une seule fenestration, qu'on arrive à bien s'ouvrir, qu'on est devant, ok. Mais avec deux, là, c'est tout le souci, quoi. De toute façon, tu voulais faire ça à la fin. Tu voulais faire des branchings. C'est ça. Mais en fait, il y a aussi la différence de calibre. C'est-à-dire qu'en haut, on avait du calibre 30 et en bas, c'était du 20 hein, en regard des rénales. Et donc, on n'avait pas la prothèse dégressive que l'on voulait. Enfin, on l'avait un petit peu regardée. Et donc, elle était un peu large. Alors, malgré les reducing ties, on en avait mis pas mal. On était encore trop large et on n'avait pas de marge de manœuvre. On n'avait pas d'espace de travail entre la fenêtre et le mur aortique. Et je pense aussi que le reducing task peut causer le problème parce que quand on plane les fenestrations, on ne pense pas qu'à la fin, quand on ouvre la prothèse, si le diamètre des aortes est trop petit, elle ne peut pas venir dans la forme originale. Elle reste là comme était avec le reducing task. Ça la déforme. Sauf si on fait le reducing task antérieur et postérieur. Enfin, postérieur et antérieur. On respecte l'orientation des fenêtres. Mais pour ton anatomie particulière, si tu voulais vraiment rester en dos, c'était un très bon cas pour deux branches, TCAMS, qui à mon avis serait toujours perméable.
Et comme tu arrives dans une aorte à 20 mm et avec une angulation et une division précoce de ta rénale, c'est pas des bons cas pour des fenêtres. Et moi, j'aurais fait, en fonction de ma patiente, elle est âgée et tout ça, je serais parti sur deux branches en finissant dans l'aorte sous-rénale. Et avec, avant, j'aurais vascularisé les deux rénales avant. En hybride, tu veux dire, en débranching? D'accord. Oui, mais c'est effectivement une autre solution, oui. C'est le débranching partiel. Parce que c'est le problème des branchés des fenêtrés, tu as des contraintes anatomiques par les artères cibles, mais aussi par les angulations, et aussi par les différences de diamètre. Tandis que là, tu peux te faire un custom-made, une 34, 24 en bas, et tu couvres les deux rénales, mais tu as tes deux branches qui sont faciles à faire. Et après, tu as fait les rénales en préalable. C'est-à-dire qu'à l'origine, on avait cette notion de péritonite appendiculaire. La patiente avait déjà une laparotomie médiane qui avait été traitée pour une éventration. Elle avait une plaque. On n'avait pas trop envie de faire du débranching à la base, hein, en fait. Ah bah finalement, on était obligé. J'avais pas de solution en dos sur le stent mésentérique supérieur complètement écrasé, qui avait été renforcé, hein, mais je sais pas si c'était pas le segment du bas qui avait un petit peu trop mordu dessus. Je peux pas dire, c'est impossible à dire vu la surépaisseur de stent qu'il y avait à la fin. C'est très difficile à dire. Mais bon, c'est un cas typique catastrophe. Hein. Europe, non. Oh, non. Attends. Avec un SIARM. Mais oui, on n'a pas, désolé. Bon, merci à tous. Merci. Un quart d'heure de pause. Merci beaucoup, ouais, je vous reprends à la pause. Des huîtres, du vin, et on se retrouve après. Merci.